pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, les enfants. Donc, moi, ça va. Donc, là, je suis dans la cuisine parce qu'il y a beaucoup de lumière, comme j'ai déjà dit. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Donc, si tu n'as pas envie de commenter, commente quand même, même cœur. Bref. Donc, là, les enfants, je vais juste vous raconter une histoire parce que avant, je vais vous parler un peu de moi. Avant, j'étais aide à domicile à Paris. Avant de vous dire ça, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai eu aujourd'hui. Donc, j'ai fait ceci. Un gâteau avec tous les restes qu'il y avait dans le frigo. Regardez. Et c'est un gâteau au kiwi. Qui fait un gâteau au kiwi? Il reste un kiwi, donc j'ai mis ça là-dedans. Je vais vous montrer quand ça va son comment. Si on voit les morceaux de kiwi, j'ai mis du rhum dedans. On connaît tout noir là. C'est du kiwi, là aussi. Un kiwi hein, que j'avais. Mais bon, il est passé sucré, le gâteau. Il n'est pas mauvais, mais il est passé sucré. Bref. J'ai reçu ça aujourd'hui. Par Nano. Donc voilà. Un bouquet de roses. Donc je vais le mettre en pot après. Donc voilà. Allez, bref. Donc là, les enfants, on va parler de quoi? De l'Élysée. Donc, de l'Élysée. Donc, quand je vivais sur Paris, je n'avais pas encore d'enfants. Je n'avais pas encore les filles. Donc, c'est pour vous dire que ça fait au moins plus de 23 ans, 22 ans. Plus de 22 ans. OK? Donc, avec une copine, vous savez qu'au mois de septembre, une fois par année, vous pouvez aller visiter les monuments de France, c'est-à-dire l'Élysée, tout ce qu'il y a à visiter. Les endroits où tu n'as pas le droit d'aller, ben là, tu as le droit d'aller une fois par année. Et c'est au mois de septembre. Bon, bref. Donc, j'ai été avec une copine. Donc, je lui ai dit, bon, je dis son nom, hein, j'en fiche, parce que j'en ai beaucoup de Sophie autour de moi. Elle s'appelle Sophie. Donc, on est parti à Paris. Bon, moi, j'habitais déjà à Paris parce que j'habitais à côté de l'Élysée dans le 8e. Parce que ma belle-mère avait un café dans le 8e. Donc, elle est venue me rejoindre. On a été. Donc, je ne vous dis pas. Il faut vraiment vouloir visiter l'Élysée. Mais moi, j'avais envie vraiment de voir où se trouve le président de la République. Hein, je ne me rappelle plus lequel qui était là à l'époque. Donc, j'avais envie de voir où vit le président de la République, où notre caillasse passe, même si je ne paie pas d'impôts. J'en ai déjà payé, mais bon. Donc, on a été. Les enfants, ce n'est pas une heure de queue, c'est de 3 heures de queue. Si tu veux faire une heure de queue ou 10 minutes de queue, il faut venir à 5 heures du matin. Et moi, je ne me vois pas aller à 5 heures du matin pour venir rentrer à l'Élysée, parce que ça revient au même. Si tu viens tôt, tu vas attendre quand même une heure que le truc s'ouvre. Alors, ce n'est pas trop mon style, d'accord? Donc, avec ma copine, quand on est arrivé, on a vu la queue, il fait « What ?» Donc, on s'est dit, on y va quand même. J'ai dit, on est là, on y va. Je voulais voir l'Élysée. Pourquoi? Je n'en sais rien. Donc, du coup, quand j'y étais, donc, on commençait à faire la queue. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, vous allez me dire, bon, je continue. Il y a beaucoup de monde. Derrière nous, avec qui il y avait une dame. Mais moi, je ne me rappelle pas qui était devant moi, mais je me rappelle, derrière nous, c'était une dame. Elle n'était pas seule, mais c'était une dame. Donc, quand on a fait une heure de queue, hein, on attend, on arrive à côté de l'Élysée, c'est-à-dire la queue faisait tout le tour de l'Élysée pour rentrer devant. Donc on était sur le côté, donc on devait se taper encore une heure, et il faut re-rentrer à l'Élysée encore, la cour de l'Élysée, il fallait encore faire la queue à l'intérieur. Donc au bout d'une heure, tout le long, il y avait des CRS, donc ils étaient là, bon, pour la sécurité des gens, et puis il y a un mec, donc je précise, un blanc qui vient me voir, mignon, canon, le mec il arrive avec son uniforme et puis il nous dit à nous deux bonjour. Je dis oui, bonjour. Donc déjà nous, ça nous a fait bizarre parce que je vais vous préciser pourquoi. Il nous dit mon chef est martiniquais. Est-ce que vous voulez que mon chef vous fasse rentrer? On a fait what? Franchement, on s'est regardé. Moi j'ai dit non, je me rappelle plus ce que Sophie avait répondu, mais moi j'ai dit non. J'ai dit non, je ne vois pas, non, je ne me vois pas dire au gars, dire à ton chef de nous faire rentrer. Le mec, il est venu nous voir dans la foule. Je vais vous préciser la chose,
dans toute la foule, donc de 1 heure, on a déjà fait de queue jusqu'à là-bas, et il n'y avait que nous, les deux noirs, dans la queue. Les 1 heure qu'on avait déjà fait et les 1 heure qui restaient derrière, il n'y avait que nous, les deux noirs, dans la queue. Je ne sais pas devant l'Élysée, mais là où on était, il n'y avait que nous, deux noirs, le mec vient nous voir pour nous dire, mon chef est martiniquais, il voudrait vous. Est-ce que vous ne voulez pas qu'il vous fasse entrer? J'ai dit non. Et la bonne femme qui est derrière, elle a fait, je ne vois pas pourquoi votre chef va les faire rentrer quand même. Mais d'une façon, what? C'était vraiment les mots bourgeoises. Et puis du coup, on s'est retourné, ma copine a regardé, on n'a rien dit, on n'a rien demandé. L'hôtel nous engueule, on n'a rien demandé. Et le mec nous a dit, ben c'est pas grave, alors si vous voulez pas, tant pis. Hein. Et il est reparti. Et nous regardait sourire. Je vous mens pas, je vous mens pas. Sur la tête de mes deux gosses, je fais, on fait, parce qu'on est à deux, on fait même pas 5 minutes de pas, hein, 5 minutes de queue là. Et dans l'Élysée, il y a beaucoup de portes comme ça. Il y en avait une là, et à chaque porte, il y a des gardiens de la paix. D'accord? Donc, je tourne la tête, je regardais les deux gardiens de la paix comme ça. Et puis, je dis à Sophie, regarde. Elle me dit quoi? Je regarde, ils sont impressionnants, mais j'adore leur uniforme. Franchement, ils sont adorables avec leur truc. Ça fait vraiment, voilà, c'est les mecs, quoi. Il y en avait un qui était très baraqué et l'autre normal, plus chétif, on va dire. Ça, je ne sais pas si ça se dit en français, mais bon, bref. Et du coup, je dis à Sophie, je le connais le mec. Et il me dit, ah bon? Appelle-le, appelle-le. Je dis, non, 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 oh là là là, là, j'appelle pas. Elle me dit, appelle-le. Je dis, non. Et au final, l'autre qui ne me connaissait pas, il nous a vu tellement qu'il regardait l'autre, il s'appelait Pascal. Il disait, il nous a dit, il y a deux filles, il lui a dit, il y a deux filles qui te regardent. Et il s'est retourné, il nous a vus. Il m'a reconnu parce qu'il ne connaît pas Sophie. Franchement, il s'est déplacé. Il m'a fait ça. J'ai fait ça. Il m'a fait ça. J'ai fait. Il est venu, mais c'est impressionnant parce qu'ils sont. Lui, c'est lui, par contre, c'est un grand gars. Il est venu. Clac, 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 clac. Il est arrivé. Il nous a tenus par la main. Et puis, il nous a fait rentrer. Franchement, c'est flippant et c'est impressionnant. Parce que là, tu as toute queue. Et c'est que nous deux qu'on vient chercher et on nous fait rentrer par la porte d'à côté. La bonne femme qui était derrière, ma copine, elle a fait, Sophie, elle a fait. Au revoir, madame. Moi, j'ai juste fait ça, j'ai regardé, j'ai fait un petit sourire. La bonne femme, elle avait la tronche comme ça. Oh. Comme si elle avait de la bouffe dans la bouche. Elle était dead. Elle était dead. Ensuite, on est rentré, on est arrivé au milieu. Moi, j'avais honte. Pourquoi? Parce que quand on arrive au milieu, t'as encore les gens qui ont fait tout le tour, qui faisaient la queue tout le long de l'Élysée, à l'intérieur de l'Élysée même. T'avais une grande cour, ils étaient là. Donc j'ai regardé, on te voit rentrer avec le gardien de la paix, ça fait bizarre, quoi. Et il venait nous déposer au pied de l'Élysée. Donc j'ai évité de regarder les gens dans les yeux, parce que ça me faisait. Moi-même, j'aurais râlé. Donc du coup, on est rentré tranquillement. Franchement, ça vaut le coup, les enfants. C'est vraiment beau. Il faut visiter quand même. Il faut vraiment. C'est long la queue. Bon, nous, on a eu la chance. C'est long la queue, mais ça vaut le coup de rentrer où le président se trouve, quoi. Il faut voir comment c'est beau. À l'intérieur, il y avait une grande tablée, mais classe. On n'avait pas le droit de toucher ni les rideaux, rien, parce que c'était fait avec de l'or, de je ne sais pas quoi. Bref. Et quand on arrive au milieu, nous les Antillais, enfin, nous les Noirs, je ne dirais pas Antillais, on était là. Et puis, tout le monde nous regardait. Ensuite, il y avait les gardiens de paix autour de la table pour empêcher les gens de toucher. Et puis, je voyais qu'il y en a deux ou trois qui étaient là, qui souriaient. Comme ça, et puis faisaient ça comme ça. Et on se regardait, j'ai dit, mais ils nous prennent pour des singes ou quoi? Mais franchement, hein, c'est ce que j'ai eu dans la tête. J'ai dit, ils nous prennent pour des singes ou quoi? Pourquoi ils nous disent bonjour qu'à nous comme ça? Coucou. J'ai fait ça. Franchement, j'ai fait. Et on continuait à marcher, j'évitais de les regarder du coup, on a bien visité. Et le lendemain, quand je suis retournée chez ma belle-mère, parce que ma belle-mère, j'habitais en haut du restaurant, parce qu'on avait notre appartement en haut, donc j'habitais en haut. Et quand le lendemain, donc je descendais pour prendre un coup en bas, voilà, quelque chose en bas, parce qu'on passe par le bar pour partir. Et du coup, deux gars me regardent et puis me disent, alors, on est fier? Je dis, fier pourquoi? On ne dit pas bonjour.
Pourquoi je vous ai vu où? Ben, à l'Élysée. C'était vous! J'étais trop choquée, c'était eux. Franchement, quand ils ont l'uniforme, je ne les ai pas reconnus. C'était aussi les autres. Donc, ces gars-là, ce sont des gars que j'ai connus quand ils venaient dans le restaurant de ma belle-mère, c'est-à-dire un café-restaurant, café-bar, on va dire, parce que ça fait, c'est juste des salades qu'elle faisait. Donc, c'est quand ils venaient boire un coup, ils étaient gentils, hein. Franchement, c'est des gars, ils étaient tous gentils. D'accord? Donc, ils venaient boire un coup, et là, je ne les ai pas reconnus, tu vois, avec ma mentalité à la con, là, je me suis dit, pourquoi ils nous regardent comme ça, on est des singes ou quoi, voilà. C'est ce qui me sortait de la tête, ils nous regardaient, ils souillaient. Donc, parce que j'ai déjà eu ces heures de regard qui ne sont pas bons. Mais là, c'était des gens que je connaissais et que sous le coup, je leur ai dit non, 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 désolé, on ne vous a pas reconnu. Enfin, je ne vous ai pas reconnu puisque c'était moi seulement qui les connaissais. Et c'est sur ce, le lendemain, on était invités, moi et le père des filles, on était invités à manger à l'Élysée. Je n'ai pas été parce que le père des filles ne pouvait pas parce qu'il travaillait. Et je ne me voyais pas à l'époque, surtout, aller manger à l'Élysée toute seule. Franchement, parce que ma copine, je lui dis, viens à la place du père des filles, elle pouvait pas venir. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc, morale de la chose, ne pas juger pour rien. Et puis la bonne femme, tiens dans ta gaule. Donc j'étais tellement contente qu'on nous a fait rentrer. C'est ce qu'on appelle le hasard. C'est vraiment le hasard. Donc voilà les enfants. Et puis bon, les gars que j'ai pas connus, reconnus, bah c'est comme ça. Mais ils étaient gentils. Hein, parce qu'ils nous emmenaient plein de cadeaux de l'Élysée, des savons du président de la République de l'époque, Roger Gallet, le rouge. Ça sent trop bon. Ils étaient sympas. Donc voilà les enfants. Donc n'oubliez pas, vous pouvez visiter les monuments de France une fois par année. Je ne sais pas avec le Covid si ça existe toujours. Maintenant, il y a le Covid. Donc, je pense que c'est ça ne va plus exister. OK? Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo de l'histoire. Et puis, voilà. Donc, c'est tout pour la vidéo, les enfants. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et ne pas juger quand tu ne connais pas quelqu'un. Et puis, ne pas faire ta la bonne femme. Mais pourquoi? Et nous? Ben, tu vois, je suis passée quand même. Donc, voilà, les enfants. Gros bisous. Bye.